À quoi ressemblerait notre Église aujourd'hui si saint Paul n'avait pas rencontré le Christ sur le chemin de Damas? J'ai vraiment la conviction que notre Église serait différente parce que vraiment, il a été un des piliers de la construction de l'Église primitive. Alors, que dire en quelques minutes de saint Paul, un personnage au caractère bouillonnant et qui nous a laissé une œuvre très riche? Tout d'abord, sa personnalité et son caractère m'impressionnent. Il va toujours au bout de ses convictions. Avant d'avoir rencontré le Christ, avant sa conversion, il ne tolérait pas les chrétiens et va jusqu'à les persécuter. Après sa conversion, toute cette énergie de destruction se mue en énergie d'évangélisation. Et toutes les souffrances qu'il aura endurées pendant toute sa mission ne l'empêcheront pas de continuer. C'est ce qu'on voit en particulier dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Et puis, grand écart aussi entre fermeté et tendresse. Fermeté face à des communautés, en particulier celle des Corinthiens, quand ils constatent des dérives et des manques de charité entre eux. Mais aussi tendresse vis-à-vis de ceux à qui il a annoncé Jésus. En particulier, on voit ça dans son discours, dans les Actes des Apôtres, quand il fait ses adieux avant de partir pour Rome. Et puis, tendresse aussi vis-à-vis de Onésime. Onésime était un esclave qu'il avait baptisé et qu'il confie à Philémon. Pour moi, Paul est aussi un modèle de fidélité dans la foi. Il se met entièrement au service du Christ et il estime comme néant tout ce qui vient du monde, tout ce qui n'est pas du Christ, c'est-à-dire tout ce qui est futilité. Et par ailleurs, il a une conscience aiguë de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Il dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et par sa vie, Paul me dit qu'il ne faut désespérer de personne. De persécuteur, il est devenu persécuté sans faillir. C'est vrai que l'amour du Christ peut transformer quelqu'un, peut transformer un homme, même si celui-ci est loin de Jésus et de son message. Paul me frappe aussi par son honnêteté. Il ne va pas proposer aux païens une vie de rêve, comme le font des gourous. Il annonce un Christ mort et ressuscité. Et aussi, il ne cache pas les difficultés qu'il y a à vivre en chrétien dans un monde hostile. Aussi, il recommande aux nouveaux baptisés de tenir bon dans les souffrances et dans les difficultés de la vie, comme Jésus l'a fait en allant à sa passion. Par contre, je comprends mieux les difficultés relationnelles qu'on a quelquefois dans nos paroisses quand je lis les rapports difficiles qu'il a eus certaines fois avec des collaborateurs. Ça le rend humain. Paul, il est comme nous. Il annonce un Jésus, un Christ mort et ressuscité pour que nous ayons la vie. Et cette vie, nous devons la garder en suivant les paroles de Jésus, en suivant ses préceptes, parce que toute la parole de Jésus pourrait se résumer ainsi, c'est une invitation continuelle à aimer. Il dit que toutes les souffrances qu'on endure pendant notre vie terrestre, eh bien, toutes ces souffrances, elles n'auront qu'un temps, parce que Dieu va réunir
autour du Christ glorieux tous ceux qui auront vécu en sa présence. Et Paul m'invite aussi à la générosité par sa façon de vivre. Il ne cherche pas la gloire auprès des hommes. Il a même renoncé aux avantages habituels des prédicateurs en travaillant de ses mains, en gagnant sa vie, sans être au crochet des autres, de la communauté. C'est ce qu'on voit dans les lettres aux Thessaloniciens. Et ça, c'est pour une acceptation plus facile du Christ par ceux à qui il s'adresse. Se mettre au service du Christ implique une charité qui nous amène à des renoncements pour le bien des frères. Dans les rencontres bibliques que j'anime, j'entends souvent cette réflexion. Or, on croirait que ça a été écrit pour nous aujourd'hui. Saint Paul n'échappe pas à ces constatations. Et lui, qu'on appelle l'apôtre des gentils, c'est-à-dire des païens, il n'est pas resté dans le giron de l'église mère de Jérusalem. Il est allé loin, dans les pays païens, pour amener la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, quand le pape François nous envoie aux périphéries, eh bien, il nous invite en fait à agir comme saint Paul, à vivre avec le même esprit missionnaire. Alors, relisons les lettres de saint Paul.